Amen. Amen. Cet après-midi, deze namiddag, nous voulons intituler notre message. Le thème de notre boodschap est la force de Samson. De kracht van Samson. Alléluia. Amen. Simplement la force de Samson. Alleen de kracht van Samson. Alors, j'étais en train de méditer. Ik was aan het lezen. Il y a un dimanche comme ça. On avait parlé sur la mère de Samson. Et puis sur le papa de Samson. Alors Dieu m'a inspiré pour me dire que il faut encore continuer ce message. Mais cette fois-ci, il faut centrer ce message sur Samson. Il y a des choses encore que tu dois parler. Alors là, c'est là où Dieu va me faire comprendre que c'est Samson qui allait libérer les enfants d'Israël. Samson est degene in de kern van Israël. Uit de handen van de Filistijnen. De Filistijnen. C'est ce qui symbolise le mal. Dat betekent het kwaad. Ça peut être la souffrance. Dat kan lijdende zijn. Ça peut être un blocage. Dat kan een blokkage zijn. Ça peut être un échec. Dat kan een faling zijn. Ça peut être une maladie. Dat kan een ziekte zijn. Et quand nous sommes dans ces choses, en als we in die dingen zijn. Ce n'est pas bien pour notre vie. C'est que pour notre vie. Et quand Dieu veut nous libérer, Dieu utilise toujours une personne. God gebruikt altijd iemand. Et cette personne, en deze persoon, c'était Samson. Dat was Samson. Mais maintenant avec Samson, maar nu met Samson, Dieu a doté Samson, God had Samson d'une puissance, verkleed met een kracht, d'une force, met een kracht, dans la Bible, in de Bijbel, je crois que Samson était le seul. Ik denk dat Samson de enige was. Alléluia. Amen. Samson était le seul Samson was de enige d'avoir cette force. Om die kracht te hebben. Alors je voulais comprendre, Seigneur. Ik wil begrijpen dat. Pourquoi Samson avait cette force? Waarom had Samson die kracht? Puisque Dieu me fait comprendre. Want God wil me laten Samson krijgen. Que tu vois. Samson die je ziet. Tu connais son père. Je kent zijn vader. Tu connais sa mère. Je kent zijn moeder. C'est une personne normale. Een normale persoon. Comme toi. Zoals jij. Mais alors Dieu me fait comprendre que. God wil me laten begrijpen dat. Samson avait un secret. Samson had een geheim. Alléluia. Amen. Samson respire comme nous. Samson adem zoals il mange comme moi et toi. Hij eet zoals jij en mais ik. Comment se fait-il? Maar hoe kan dat? Cet homme, dat deze man, quand il se mettait devant un lion, wanneer hij voor een leeuw stond, il pouvait déchirer le lion. Hij kon een leeuw scheuren. Déchirer sa queue. Hij kon zijn bek scheuren. Et puis le tuer. En hem vermoorden. Et seul. Alleen. Et quand il partait en mission, toen hij op missie ging, il n'avait besoin de personne. Il had niemand nodig. Il le faisait seul. Hij deed alles alleen. Parce que en lui, want in hem, il y avait une puissance. Er was een kracht. Que personne d'autre n'a fait. Dat niemand anders had. Et Samson là. En Samson. Il peut se tenir devant 30 personnes. Hij kon voor 30 mannen staan. Il va les dépouiller. Il va les enlever le vêtement, les chaussures. Il les tue. En vermoorden. Seul. Alleen. Et même devant 1000 personnes. En zelf voor 1000 man. Il se met devant 1000 personnes. En zelf voor 1000 man. Il va lutter avec eux. Hij zal met hen vechten. Il les tue tous. En hun allemaal vermoorden. Et Samson, vous voyez là. En Samson die jullie zien. Il pouvait arrêter 300 renards. Van 300 vossen te nemen. 300 renards. 300 vossen. Il va les attacher. Hij zal hen vastbinden. Il attache leur queue. Hij zal hen vastbinden. Hij steekt ze in de lâche. En hij laat ze los. Et quand les renards partent. Wanneer de vossen los zijn. Ils vont brûler tous les champs des Philistins. Ze zullen de hele ver van de Philistijnen wat. Il le faisait seul. Hij deed alleen. Alléluia. Amen. Mais c'était quoi la force de Samson? Maar wat was de kracht van Samson? Vous allez voir. Je zult opmerken. Samson avant d'agir comme ça. Samson voordat hij gaat werken. Il faut que l'esprit vienne. De geest van God moet komen. Quand l'esprit le saisit. Wanneer de geest hem vasthoudt. Il devient une autre personne. Wordt hij een andere persoon. Il devient puissant. Hij wordt krachtig. Et puis commence à agir. En begint te werken. Une fois que l'esprit se retire. Zodra de geest werkt. Même un enfant. Zelf een kind. Même lui devant Samson. Voor Samson komen. Il peut le taper. Il le jette par terre. Il ne réagit pas. Parce que quand l'esprit n'est pas là. Wanneer de geest Samson est pas fort. Et Samson est fort. Samson est fort. Quand l'esprit vient, quand l'esprit part, il est faible. Est zwak. Quelqu'un m'entend ici. Amen. Et vous allez comprendre une chose. Et je vais remarquer dat. Et tout ce que Samson a fait dans la Bible. Want alles wat Samson heeft gedaan in de Bijbel. Avant, même avant d'aller tuer 1000 personnes. Zelfs voordat hij 1000 mensen. Avant d'aller tuer 300 renards. Zelfs voordat hij de vossen gaat vasten. Avant de tuer les lions. Voordat hij de leeuw vermoordt. Quand l'esprit vient, l'esprit le saisit. Wanneer de geest komt in hem.
Là, il commence à faire ces choses. Donc, il devient un homme surnaturel. C'est quoi le message aujourd'hui? C'est que nous nous pouvons tout par le Saint-Esprit. C'est la puissance. C'est une gloire. On nous parle de la Trinité. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. C'est Dieu qui habite en nous. Quand Dieu habite en nous, tu deviens une personne surnaturelle. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi tu vas le faire. Là où les hommes échouent, si toi tu arrives, si l'Esprit est en toi, si tu es saisi par le Saint-Esprit, tu vas le faire. Tout est possible avec toi, simplement par la présence du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un m'entend ici. Amen. Nous allons essayer un peu de voir dans la Bible en de Bijbel, comment le Saint-Esprit agissait. Nous sommes maintenant dans l'Ancien Testament. We zijn in de Oude Testament. L'Esprit de Dieu agissait. De geest van God werkte. Mais par comment? Naar hoe? C'était simplement par des hommes que Dieu avait choisis pour une mission spéciale. Si tu n'es pas choisi, als je niet uitgekozen bent, l'Esprit ne vient pas en toi. De geest komt niet in je. Donc c'était des gens comme Moïse, was wel mensen zoals Mozes, des gens comme David, mensen zoals David, des gens comme le roi Saoul. Quand tu es roi, ben je koning ben, tu es roi, ben je gezalf, et l'Esprit commence à agir avec toi. De geest begint in jou te werken. Et le problème c'était quoi? Maar wat was het probleem? Dans l'Ancien Testament, in het Oude Testament, l'Esprit là, die geest, qui rendait les hommes forts, die mensen sterk, qui rendait les hommes puissants, de mensen krank had, l'Esprit n'était pas permanent. De geest was het altijd. L'Esprit venait, de geest kwam, quand le besoin s'est fait sentir, wanneer hij pour quelque temps, pour quelques minutes, pour paar minuten, si tu habites par l'Esprit, als je bezit met parce que c'est Dieu qui le veut, quand tu as compris cette mission-là, automatiquement l'Esprit s'est fait. Donc Moïse que vous voyez là, dus Moïse die jullie al zien, tout ce qu'il faisait là, alles wat hij deed, c'est parce qu'il était saisi par le Saint-Esprit. C'est parce qu'il bezit was door de Heilige Geest. Et quand l'Esprit, en wanneer de Heilige Geest uit Mozes kwam, il devait un homme normal. Was hij weer een normaal mens. Même Samson que vous voyez là. C'est Samson die jullie al zien. Maintenant, maar nu, dans la Nouvelle Alliance, en de Nieuwe Testament, Jésus va amener une autre façon de faire les choses. Jésus brengt een nieuwe manier om dingen te doen. Ça, c'est une grâce. Dat is een genade. C'est une faveur. Dat is een genade. Que Dieu nous accorde. Dat is een gunst dat God ons geeft. C'est que dans l'Ancienne Alliance, dat betekent een oude verbond. L'Esprit venait pour quelque temps. De geest komt op een paar keer. Mais cette fois-ci, maar deze keer, par la grâce de notre Seigneur Jésus, de genade van onze Heer Jezus, il dit que je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Hij zei, ik zal mijn geest sur toutes tes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieux auront des songes. Oudere mensen zullen dromen hebben. Les jeunes gens auront des visions. De, mais sur mes serviteurs et servantes, je répandrai mon esprit. Là, Dieu nous fait une promesse. God geeft ons een belofte. Qu'il va répandre son esprit. Dat hij zijn geest zal sturen. Sur toutes les chairs. Elke vlees. Mais quand cet esprit vient, maar wanneer nu de geest komt, et cet esprit-là va demeurer en nous pour toujours. Cet esprit-là habite en nous. Il est à côté de nous. Il est sur nous. Il est autour de nous. Cet esprit est présent en nous. À tout moment, la nuit, le matin, partout où tu pars, le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu marches avec lui, maman dans la cuisine, quand tu prépares, tu prépares avec un Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur, avant qu'il envoie les disciples, voordat hij zijn disciples stuurt, il a dit à Pierre, hij zei tegen Petrus, il ne faut pas vous éloigner de Jérusalem. Vous ne pouvez pas vous éloigner de Jérusalem. Restez ici. Blijf hier. Attendez ce que le Père a promis. Wacht op de belofte van de Vader. C'est le Saint-Esprit. Dat is de Heilige Geest. Une puissance. Een kracht. Survenant sur vous. Elle va op jullie komen. Vous serez mes témoins. Vous serez mes getuigen zijn. Dans la Judée. In de Judea. À Jérusalem. Jérusalem. Dans la Samarie. In Samaria. Et partout dans le monde. Overal op de aarde. Donc ce n'est que quand le Saint-Esprit va venir. Dus wanneer de Heilige Geest zal komen.
que en ce moment-là, pas, vous serez mes témoins. Donc toi, Pierre, tu peux l'annoncer l'évangile. Mais bien aimé, même dans nos maisons, quand ça devient difficile, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Quand ça devient compliqué, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais bien aimé, là où l'Esprit de Dieu est là, il y a la solution à tous les problèmes. Chaque situation qui est toujours difficile, comment? Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est la solution, c'est la paix, c'est la révélation, c'est le paraclet, c'est notre avocat, l'avocat suprême. Même quand tu es fatigué, alléluia. Même quand tu es fatigué, comment? Quand tu sens que tu dois prier, c'est vraiment énergie. Viens dans ma vie. C'est une façon d'appeler le Saint-Esprit. Donc tu dis, énergie, viens. Saint-Esprit, viens. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Tu te lèves la nuit et tu commences à prier. Même quand tu es fatigué, c'est dire que le Saint-Esprit, il agit même dans notre corps physique. Et puis le Saint-Esprit, nous pouvons appeler ça exousia. C'est quoi exousia? C'est une puissance qui amène les miracles dans notre vie. Parce que Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils écraseront la tête du serpent. Même quand une femme n'accouche pas, nous ne pouvons appeler à la femme de venir. Nous disons exousia, on a besoin de toi. Cher Saint-Esprit, on a besoin de toi. Répétez avec moi exousia. Mais cet esprit-là, quand tu reçois Jésus, il habite automatiquement en toi. D'une façon permanente. Mais maintenant, c'est quoi le problème? Non, est-ce que le problème? Quand j'ai examiné la parole, alléluia, j'ai posé la question au Seigneur. Si toi tu dis que Samson était fort, par la puissance du Saint-Esprit, mais nous aussi nous avons cet esprit-là. Pourquoi on est faible? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi devant les démons on tremble? Devant les petits démons on court. S'il y a seulement un chat, tu commences à crier la nuit, tu commences à trembler. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, il est attristé, il est étouffé. À cause de quoi? De what? Et la parole dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, ces choses disparaissent diminuées de vous. C'est de quoi? Quand quelqu'un vit dans le péché, c'est vrai que le Saint-Esprit est en toi, mais le péché là étouffe le Saint-Esprit. Le péché là attriste le Saint-Esprit. C'est-à-dire, même quand tu es devant les sorciers, tu dis qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais le monde ne recule pas. Alléluia. Ils peuvent reculer parce qu'il y a le nom de Jésus. Quand il recule, il dit, ah, mais au moment où tu veux pouvoir aider cette personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui a cité le nom de Jésus? La première réaction, quand tu dis le nom de Jésus, les démons fuient. Est-ce que vous me suivez ici? Mais pose la question à ton prochain. Depuis combien de temps tu as commencé à chasser les démons? Pourquoi les démons ne partent pas? Pose la question. Mais ta vie est toujours la même chose. Et ça devient encore pire. Pose la question à ton prochain. Tu connais maintenant le problème. C'est quoi le problème? What is the problem? Pose la question. C'est une puissance. C'est une gloire. Avec le même
tellement de monde. Il prend seulement son doigt à lui. Il fait seulement comme ça. Mais toi, tu as crié. Ta voix est partie. Mais comment ne part pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a un problème. Il y a un péché. C'est ça qui te bloque. Ça étouffe le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est Christ lui-même qui habite en toi. Comment ça ne fonctionne pas? Comment tu es toujours bloqué? Comment tu es toujours en prison? Comment tu es toujours dans le monde? Tu as dit à Samson, tu vas libérer les enfants d'Israël. Samson a posé la question. Mais je vais le faire comment? Tu as dit, je t'enverrai mon esprit. Le Saint-Esprit dit à ton prochain, c'est un équipement. Équipement de combat. Samson savait. Partir comme ça. So gaan. Devant les sorciers. Voor de heksen. Ze zullen hem verteren. Hij zei, mijn Heer, hoe? God zei, ik zal je bewusten. Je zult een woord krijgen. Als het 5000 zijn. Als het 2000 zijn. Als ik 1 jaar ben. Ze zullen het worden. L'équipement est là. Mais attention, passe-t-il. Il faut aussi respecter. Dieu dit à Samson, quand l'esprit va venir, il ne te trouvera plus. Il faut respecter ce qu'il te dit. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens qui viennent à l'église, ils invoquent le nom de Jésus, mais ils ne connaissent pas. C'était quoi la première condition? Nous les connaissons tous. Quand Samson vient au monde, sa maman l'appelle, il vient ici. Toi là, c'est toi qui vas libérer ce peuple. Et sa maman, il a transmis la parole à l'enfant. Parce que Samson, il n'avait pas rencontré l'ange. Qui a rencontré l'ange? C'était la maman. La maman a reçu le message. Il a dit à Samson, j'ai rencontré Dieu. L'ange éternel, il m'a parlé à propos de toi. C'est toi qui vas libérer. C'est toi qui auras la force. Pas nous, mais c'est toi. Mais mon fils, pour aller combattre là-bas. Si tu ne vas pas respecter la condition, ces gens vont faire quoi? Les amènes. Maman, c'est quoi comme condition? Mon fils, la première condition, de ta bouche là, de ta bouche là, là, aucune goutte de vin n'entre. C'est que Samson, si tu lui dis que Samson, viens, fais-moi plaisir, prends seulement un petit verre comme ça. Samson, il sait que il ne peut pas le faire. Parce qu'il a une mission. Est-ce que toi tu sais que tu as une mission? Est-ce que tu sais que tu as une charge? Accorde ta charge. Mais bien aimé, il faut sacrifier ta vie. Il faut sacrifier tes plaisirs à toi. Prendre un verre, c'est un plaisir. C'est se réjouir son corps. Mais prendre de la charge pour ton mari, pour tes enfants qui sont dans les liens. Je vais sacrifier ça. Je refuse ça. Parce que j'ai une mission. Mais bien aimé, ne te trompe pas. Même dans ta maison là, les gens sont encore liés. Les gens sont encore en prison. C'est toi qui as la charge de les libérer. Tu préfères sacrifier ta famille. Un verre de vin. Comment expliquer ça? Pourquoi il a donné la guerre? Toi, tu as la charge. Y a pas d'âge. Pour libérer ta famille. Pour la famille de Brayle. Tu préfères? Mais y a plus. Que ta famille reste en prison. Dans des familles qui vont en prison. Mais quoi? Mais y'ai. Tu vas te réjouir. Y a qu'à des vrais. Pour un seul verre de vin. Pour un glace de vin. Tu ne sais pas que si ta femme se perd, même tes enfants là. Je weet dat als je vrouw of een kind verloren gaat. Tu as des comptes à rendre avec Dieu. Dat je verantwoordelijk bent voor God. Et ça va être trop sévère. Hij zal heel streng zijn. À cause d'un verre. Door een glas wijn. Franchement. Dis à ton prochain, franchement. Zeg je naast, echt. Pour un verre. Echt voor een glas wijn. Tu vas me sacrifier. Kijk me echt offeren met de kinderen. Amen. Samson a compris. Samson begreep. Il avait une charge. Dat hij een taak had.
pour lui, pour him, je lui propose un verre de vin. Je stelle un verre de vin. Si c'est pour te faire plaisir. Mon frère. Et mon bruder. Si c'est ma soeur. Of my sister. La relation là. Deze relatie. C'est fini. Dit is voorbij. Je veux plus te voir. Ik wil je niet meer zien. J'ai une mission. Ik heb een missie. Amen. Dis à ton prochain, j'ai une mission. Samson pouvait aussi boire. Samson kon ook drinken. Il était jeune. Hij was jong. Il a dit non. Hij zei nee. Je veux sacrifier ma jeunesse. Ik zal mes enfants, moi. Mes kinderen. Sacrifie ta jeunesse. Offre je jeugd. Tu vas honorer Jésus. En je zal God Jezus eren. Et Jésus va te récompenser. En Jezus zal je belonen. Mes enfants. Mes kinderen. Qu'on ne trompe pas. Dat ze jullie niet voorliegen. Sarah vous a parlé ici. Sarah heeft dit gesproken. Elle zei, de zwaar is tussen jullie. Mais si vous allez sacrifier votre vie, maar als jullie leven zullen offeren, Dieu va lever. God zal het zwaard wegnemen. La deuxième chose, de tweede ding. La mère de Samson a dit à Samson, zei tegen Samson, mon fils, mijn zoon, dans ta bouche, en die mond van jou, tu ne peux pas manger, je kan niet, quelque chose qui essuie. Je kan niet onreine dingen eten. C'est-à-dire qu'on la route suit. Wat is dat onreine eten? C'est la mauvaise camarade. Dat zijn slechte vrienden. Quelqu'un m'entend ici. Amen. La mauvaise camaraderie. Slechte vrienden. Mauvaise compagnie. Slechte vrienden. Au téléphone. Op téléphone. Tu tends ton oreille. Je geeft je oor. D'écouter n'importe quoi. Om slechte dingen te doen. C'est la route suit que tu manges. Dat zijn onreine eten wat je eet. Si ça te suit. Als het je onrein maakt. Alléluia. Amen. Fais gaffe. Pas op. D'aller chasser les démons. Pas op onder de mond gaan zitten. Je zult je N'amène pas ton corps. Breng je lichaam niet. Pas n'importe où. Maar, parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut respecter ce corps. Je moet deze lichaam parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Vous les jeunes filles. Les jonge meisjes. Pas tout le temps rigoler avec des garçons. Je moet je niet altijd met de jongens te slaan, joh. De quel doigt il va te toucher, même à l'épaule. Tonde dat hij jou gaat aanraken. Mon Dieu! Et quand on va organiser les concerts, quand on va appeler les gens ici, les musiciens là, quand tu vois les musiciens là-bas assis, toi tu commences à faire beaucoup de doutes. Ne mangez pas la nourriture souillée. Je moet een keer oranje eten. Troisième chose. De derde ding. Les rasoirs. Était strictement interdit. Was verboden. Mais passer sur la tête de Samson. Sa maman, c'est sa mère qui expliquait tout ça. De moeder la, was hem alles uitleggen. C'est-à-dire quoi? Wat wil dat zeggen? C'est-à-dire que ses cheveux là, die haren, symbolisaient l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Dat was verbonden dat hij had gemaakt met God. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Le diable m'a attaqué. De duivel had me aangevallen. Il va d'abord vérifier ton alliance avec Dieu. Hij zal eerst die verbonden kijken. Il est sûr. Hij weet het. Que Dieu. God, avec son alliance, il a fait alliance avec toi. Les gars me disent que Dieu jamais méprise l'alliance qu'il a faite. Ils ont nooit zijn verbond weggehaald. Quelqu'un monte ici. Amen. Dieu sait la vérité. De duivel kent de waarheid. Mais s'il sait que ton alliance avec Dieu. Maar als hij weet dat je verbond met God. Ah, il vient. En dan komt hij. Il va t'attaquer tout de suite. Hij zal je aanvallen nu. Nous, quand nous venons en Christ, wij wanneer we in Christus komen, nous avons fait alliance avec we hebben een verbond gemaakt met onze God par le sang de Christ. Door het bloed van Christus. Amen. Et sur la croix, op de kruis. Christ a dit que tout est accompli. Zei, alles is voldaan. Pourquoi? Waarom? Parce qu'à l'époque, pour sceller une alliance, om een verbond te vieren, il faut verser le sang. Je moet je bloed gieten. Mais Christ il a accepté de bien aimer. Et verser son sang. Om bloed te gieten. Pour qu'on t'appelle enfant de Dieu. Pourquoi? À cause de l'alliance. À cause de ton sang que Christ a versé sur la croix.
te plaît dans leur mémoire. Ils vont chercher. Parce que pour que les diables puissent te tuer, tu dois parler dans leur miroir. Ce n'est que le sang de Jésus qui nous enlève dans ces miroirs. Amen. Et cette alliance, and this verbond, il faut respecter. Il faut respecter. C'est à cause de cela. C'est d'ailleurs. Samson. L'esprit venait de temps en temps. De geest komt soms. L'esprit le saisissait. De geest pakt hem vast. L'esprit le secouait. De geest trokken hem. Hij was werd een mens van zon. Laat dat de Heilige Geest vandaag. De Heilige Geest te saisissait. Dat de Heilige Geest hem gespakt. Amen. Que le Saint-Esprit te secouait. Amen. Que le Saint-Esprit te fasse une autre personne. Dat de Heilige Geest hem een nieuwe persoon. Fort. Dat de Heilige Geest hem krachtig maakt. Amen. Dat hij jou krachtig maakt. Amen. Devant tes ennemis. Voor je vijanden. Amen. Samson, quand il a aimé ces trois choses-là, Samson, toen hij die drie dingen in heeft gezet, avec certitude, met, et la confiance est avec Dieu, hij begreep dat hij met God was. C'est là où il s'est levé. Dus waar hij opstond, il est allé opérer. Hij is... Et quand il sort comme ça, toen hij naar buiten ging, ni sa mère, zelfs zijn moeder, ni son père, zelfs zijn vader, personne n'est au courant, niemand wist, que Samson est allé opérer. Dat Samson is gaan werken. Mais toi, souvent, tu dis, maar soms, jij zegt soms, je peux prier, mettez-moi dans la prière. Ik ga bidden, zet mij. Tu ne sais pas si tu vas retourner. Je weet dat ze terug zal komen. Nee, maar parce que tu as peur. Oh, waarom omdat je bent? Mais Samson, lui, maar Samson, hè? Il est sûr. Hij is zeker. Il est ni à son père, ni à sa mère. Ni dans zijn moeder. Il va opérer. Il gaat werken. Il va chez le Philistin. Il gaat bij Philistin. Il est aujourd'hui. Et c'est vandaag. Je vous lance un défi. Ik geef jullie een. Je veux montrer que mon Dieu est plus fort que vous. Aujourd'hui là, vandaag, la domination de heersing va finir. Zal voorbij gaan. Il va aller chez les Philistins. Hij gaat daar bij de Philistijnen. Il va arrêter 300 renards. Hij zal 300 vossen pakken. Il va les attacher. Hij zal de vossen pakken. Wanneer de geest in hem komt, il attache. Hij pakt de vossen. Il va les attacher. Hij zal de vos binden. Par leur queue. Aan hun staarten. Hij steekt zijn vuur in vlam. Il est libéré. En hij bevrijdt ze. Maintenant, quand les renards partent maintenant, wanneer de vossen nu los zijn. Tous les champs des Philistins. Al de velden van de Filistijnen. Tout ce qu'ils avaient semé. Alles wat ze hadden gezaaid. C'est brûlé. Het is allemaal in de grond gegaan. Il se lève le matin comme ça. Il y avait la fumée partout. Was rook overal. Il pose la question. Dus stelde de vraag. Qui a fait ça? Wie heeft dat gedaan? C'est toujours la même réponse. Het is altijd dezelfde antwoord. C'est Samson qui a fait ça. C'est Samson dat heeft gedaan. Suivez une histoire. Waarom vind je het verhaal? Que Samson fait cela? Toen Samson dat deed. Qu'est-ce qu'il va faire? Wat deed hij? Il va laisser cacher. Hij gaat zich verbergen. Pourquoi il se cache? Bon. Donc Samson, saisi par le Saint-Esprit, hij is bezet door de geest, il va chez le Philistin, il a 300 renards, il est attaché, il met le feu, il est libéré. Maintenant les renards, ils vont brûler tous les chiens du Philistin. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? L'esprit se retire. De geest gaat terug. Maintenant, il est devenu normal. Il wordt weer normaal. Il commence à avoir peur. Hij begint bang te zijn. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Wat heb ik gedaan? Qu'est-ce qu'il faut faire? Wat moet je doen? Il faut aller se cacher. Je moet je gaan verbergen. Mais bien aimé. Medemens. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Wanneer de Heilige Geest niet hebt. C'est la vie de la peur. Dat is het leven van angst. Alléluia. Amen. C'est la vie de la peur. Dat is het leven van angst. C'est la domination. Dat is de dominatie. Ce sont les échecs. Dat zijn falingen. Et il y a des moments tellement que tu n'es pas sûr de toi, tu te caches. Cet homme qui a arrêté 300 renards, quelques minutes après, un paar minuten later, il va dans un trou et puis il se cache. Hij gaat zich in een put verbergen. C'est quoi le message? Wat is de boodschap? Il a compris. Hij had begrepen dat. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas les attaquer. C'est impossible. Begint te trillen. Maar dan de Filistijnen. De Filistijnen komen eraan. Hij gaat chez Samson. Ze gaan bij Samson. Dans sa ville. En zijn stad. Les gens de sa ville. De mensen van zijn stad.
Ils ont compris que les Philistins sont venus chercher Samson. Ils avaient begrepen dat de Philistijnen Samson. Ils avaient tellement peur. Ze waren zo bang. Ils ont dit ah. Ze zeiden. Laissez-nous tranquille. Laat ons met rust. C'est lui qui a fait ça. Degene dat heeft gedaan. C'est Samson. C'est Samson. Nous connaissons là où il s'est caché. Wij weten waar hij verborgen is. Je vous dis une chose. Ik zou één ding vertellen. Soyez équipés du Saint-Esprit. Je moet de berust zijn met door de. Parce que là où le combat va venir, tu sais. Waar de strijd zal aankomen, je weet dat niet. Parce que même dans ta famille, les gens vont te délivrer. Même dans ta famille, tu vas devenir leur chef. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, tu seras la chèvre dans ta famille. Si il y a une chèvre qui veut donner, c'est toi qui vas donner. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Tu n'as pas assez de force. Quelqu'un m'entend ici. Amen. Samson, Samson. L'esprit s'est hérité. Les gens de sa famille. De mensen van zijn familie. Sont allés chercher Samson. Ze zijn Samson gaan zoeken. Pour faire quoi? Om wat te doen. Pour les livrer. Om hem uit te geven. Et toi qui ne prie pas. En jij die niet bent. Est-ce que les gens qui sont dans ta famille, tu les connais? De mensen van je familie ken je ze. Dans la famille de ton père, tu les connais? De mensen van je vader ken je ze. Dans la famille de ta mère, tu les connais? De ken je ze. Les jeunes filles, là où vous partez à l'école, les gens là avec qui tu parles, qui tu les connais? Ils peuvent te livrer. Ze kunnen je uitgeven. Quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, wanneer iemand Jezus niet kent, c'est un danger permanent. Het is een permanente un gevaar voor jou. Même si c'est ta soeur, ton frère, ton mari. Est-ce que broeder, je man, nous avons la preuve. We hebben de bewijs. La soeur là qu'on a coupé la tête. De zuster dat ze qui a fait ça? Wie heeft dat gedaan? C'est son mari. C'est sa man. Il voyait son mari comme ça. Les hommes mais zo, le cœur. Mais le heart. Il connaissait pas. Ce cœur là niet. Samson, qu'est-ce qu'il voulait en fait? What wanted eigenlijk? Il voulait la bien de ses frères. Hij wou de goed van zijn broeder. C'est lui qui était le libérateur. Hij was de bevrijder. Quelqu'un qui apporte la parole. Hij was degene die de brood bracht. Quelqu'un qui veut vous libérer. Hij was degene die hun. Et c'est la même personne que vous combattez. Dat is dezelfde persoon die jullie bestrijden. Voilà pourquoi Christ vous appelle d'être équipé. Daarom roept Christus ons op het uit. Sois rempli de tu lui dis pourquoi ça ne va pas? Il dit non, je ne sais pas. Ma soeur, vous êtes toujours comme ça. Oh, voilà, mais c'est peut-être toujours comme ça. C'est peut-être comme ça. C'est toujours comme ça. Tiens, ton projet. C'est un exemple. Là, je refuse une mauvaise situation. Dis maintenant, lève-toi. Mets-nous le cœur. Nous allons refuser. Mais quand tu veilles, là. Examine ta vie maintenant. Commence à refuser les mauvaises choses. Refuse. Repousse ça. Refuse les mauvaises choses. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Ils arrivent là où Samson était. Comment arrive à Samson zat? Ils le trouvent. Maintenant Samson. Samson. Lui qui tuait les renards. Lui qui déchirait les lions. Puisque l'esprit n'est pas là. Il commence à supplier ces gens-là. Non, ne me tuez pas. Mais comment se fait-il la même personne? Il a tué les lions. Il tue une personne. Et il y a des moments. Il commence à demander pardon. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas encore décédé sur lui. Il n'est pas encore agité par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, répands ton esprit dans ce que ça. Quand il
arrivé à supplier. When they had to get to me, et non, et that name, nous voulons simplement te lier. We were only involved. C'est là où il y a l'origine des liens de la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les saints ne n'agissent pas. Et les liens, c'est la vérité. L'histoire là, les liens, c'est que la réalité, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont encore dans les liens. Parce que les Philistins ont dit, nous cherchons Samson pour faire quoi? Pour les livres. Et les livres. Il y a un moment où il y a des mois, il y a tellement de péchés dans ta vie. Quand il entre, il entre tranquillement. Il vient d'abord. Il te lit d'abord toi-même, papa. Il finit lit ta femme. Il les emporte. Quand il revient, c'est pour ça qu'on te livrait. Ta vie, quand ça ne fonctionne pas, c'est que tu es lié. Je leven gaat de vrijheid is omdat je vastgebonden bent. En on t'a déjà livré. En ze hebben jou al uitgegeven. Dan moet je de fois on tourne en rond. Dan zie je soms draaien rondjes. Tu es lié. Je bent verbonden. Mais bien aimé, l'histoire des liens, c'est la vérité. Mais bien aimé, het verhaal van een verbond is waar. Il y a les liens volontaires et les liens involontaires. Dat betekent aan zijn ook. Les liens volontaires, c'est ça vient de nous-mêmes. De verbond dat van onszelf. Quand tu n'obéis pas la parole de Dieu, tout ce qu'on prêche ici, on te dit qu'arrête le péché. Quand tu continues à faire le péché, le diable va te lier. Et les liens volontaires, ce sont des liens que toi, tu n'étais pas au courant, mais tu subis ça de tes parents. À cause de leur méfait, de leur mauvais comportement, ces liens-là, ça descend sur toi. Et tu commences à payer ça. Béni soit le Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Voilà pourquoi Christ a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce que Christ est lui-même. Pour libérer les gens de leurs liens. Hij had de Heilige Geest nodig. Pourquoi toi? Waarom jij? Waarom betrek je de Heilige Geest? Qu'est-ce qui va se passer? Wat zal er gebeuren? Parce que Samson, on a Samson, y a pas d'esprit. Er is geen geest. Pour ce moment-là, op dit wat dat moment. On prend Samson, de naam hem, on va l'attacher. Je wil hem vastbinden. Combien de fois la vie des enfants de Dieu est attachée, liée? Vaak is het leven van de kinderen van God vastgebonden. Écoutez, quand le Saint-Esprit n'est pas là, wanneer de Heilige Geest niet is, ils n'ont pas eu de discuter avec Samson. Hebben ze geen moeite met Samson? Baby Yakawa. Dus hij komt hier. Quand il arrive, mets-toi là-bas. Sta hier. L'homme devient faible. De on le prend comme ça, on soulève la main, on l'attache. Donne le pied, on l'attache. Donne le pied, on l'attache. Tu vois comment c'est facile quand on te lit. Zie hoe makkelijk dat is dat ze wanneer tu es déjà ton projet, tu es déjà lié comme tu es. Zeg ik tegen haar, ik ben al vastgebonden. Je zit daar tussen de. En on t'a lié très facilement. En ze hebben je heel gemakkelijk vastgebonden. Même un bébé. Zelf een baby. À quoi réagir? Kan réagir. Maar je hebt niet de kracht. Toi, c'est moins qu'un bébé. Je bent erger dan een baby. Maar kan je Samson? Ze hebben Samson vastgebonden. Maar attaché. Ze hebben vastgebonden. Maar tiki. Ze hebben gelaten. C'est en ce moment-là. En dan pas. Quelques temps après, een paar tijden later, quand tu as vu, wanneer God dat zag, tu as enfin mis ta source, stuur nu zijn geest. Frère, broeders, c'est une puissance. Dat is een kracht. Même si vous enchaînez comment, même si cette prison-là a duré combien de années, gevangenis is jaren en jaren geduurd. Quand le Saint-Esprit vient, wanneer de Heilige Geest komt met medemens, c'est pour te libérer. Het is om je te bevrijden van de gevangenissen. Amen. 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 On dit que le Saint-Esprit vient. Wanneer de Heilige Geest komt, l'Esprit saisit Samson. De Geest herpakt Samson. Samson commence à bouger. Samson begint te trillen. Samson est secoué. Samson gaat la force entre en lui. De kracht komt in hem. Mais Samson se lève. Samson staat op. Pendant que Samson se lève, le Saint-Esprit, c'est le feu, tous les liens là, comment ça s'est coupé? Ça s'est
dedicated. Je ne veux pas de la salle. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est libéré. Tu es libre maintenant. Libre du célibat. Libre de la pauvreté. Libre de l'envoûtement. Personne ne peut te libérer. Parce que c'est une puissance. Une puissance qui amène du feu. Samson est l'ennemi. Samson est l'ennemi. À quoi nous tombons sous son? Mais bien aimé, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus une autre personne. À quoi nous tombons sous son? Parce que c'est toi qui es chez toi. But they're bad angels. Quand ils arrivent maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les angles ont été ce. Ils ont poussé un grand cri. Ça veut dire qu'ils crient. Pourquoi ils ont crié? Bon, ils crient ce. Pour faire peur à Samson. On sent son bon de Max. Samson dit non, 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 c'est faux. C'est déjà en retard. J'ai le Saint-Esprit sur moi. Amen. C'est trop tard déjà. C'est délat. Dis à ton prochain. C'est trop tard. C'est délat. Il va seulement se retourner comme ça. Quand André, il va prendre. Il m'a chanté. Hij zal een ezelkaart nemen. Mais écoutez-moi. Mais maintenant, luister goed. J'essaie de voir cette scène-là. Ik probeerde die scène te bekijken. Une personne. Eén persoon. Se met devant 1000 personnes. Hij stond op voor 1000. Pour lutter avec. Om met hem te gaan strijden. Est-ce que tu veux comprendre? Wil je het inbeelden? Mais bien aimé. Dans ce quartier, c'est à Melberg. En deze. C'est moins que 1000 personnes, n'est-ce pas? Het is meer dan 1000 personen toch? Mais si on prend 10 quartiers ici. En als we 10 mensen nemen, 1000 personen. Si on peut aller lutter avec une personne. Gaan naar buiten met één persoon te strijden. Moet toch gek zijn? Et le Saint-Esprit à nous. En de Heilige is in ons. C'est de la folie. Het is gekheid. Amen. Alléluia. Amen. Il prend une mâchoire d'âne. Hij nam een. Il se met devant 1000 personnes. Hij stond voor 1000 personen. C'est-à-dire que chaque personne qui s'avançait. Iedere persoon die naar voren kwam. Il a seulement sa mâchoire comme ça. C'est là où je vous dis une chose. Dus waar ik iets wil zeggen. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Wat gebeurt er aan de kerk? Quand quelqu'un vient à l'église. Wanneer iemand aan de kerk komt. Tu as prié. Je hebt gebeden. C'est une force qui dégage. C'est une kracht dat uit jou gaat. N'est-ce pas? Toch? Mais faut récupérer aussi. Maar je moet die kracht terugkrijgen. Et souvent les gens sont bloqués. Quand ils viennent à l'église, ils dégagent. Wanneer ze naar de kerk komen. Quand tu le bénis, en wanneer God hen zegent, rennen ze weg. Quand tu fous, tu ne le veux plus. Mais il faut où tu veux une chose que la force que toi tu as fait sortir, là, il faut remplacer ça. Quelqu'un m'entend ici. Quand Samson a tué ces gens-là, il a dit au Seigneur, remplis-moi encore. J'ai soif. Et heb dorst. Et derrière lui, il y avait une pierre. Et Dieu va fondre cette pierre. God zal die steen neerzetten. En wanneer Samson was zo moe aan het werken. Toen hij had gedronken. Alleluia. Amen. Il a repris force. Hij had weer kracht gekregen. Et puis il est parti. En hij ging verder. Look, il a pu là. Dit water dat hij had gedronken. C'est une façon de se, comment je peux dire, de se régénérer. Het is een manier om je te verjongeren. De se rafraîchir, om zich te verfrissen. Et puis de remplacer la force qui était sur. En de kracht te vervangen dat uit is gegaan. Donc quand tu viens à l'église, dus wanneer je naar de kerk komt. Aujourd'hui tu as prié, tu as chassé. Vandaag heb je gebeden, heb je de demonen weggejaagd. Dimanche prochain, reste pas à la maison. Dan volgende week zondag blijf je thuis. Il faut encore revenir. Je moet nog eens terugkomen. Pour prendre encore une autre force. Om een nieuwe kracht te vinden. Quelqu'un m'entend ici. Amen. Si tu ne viens pas sans vie, à la maison ils vont faire quoi? Il faut t'attendre. Thuis zullen ze je op jou wachten. Donc l'histoire des liens, dus het verhaal van vastpersen, c'est la vérité. Is waarheid. Mais pour briser ces liens-là, ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est par le Heilige Geest. Amen. Que Dieu vous bénisse.